Sup guys, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième vlog sur ma chaîne. Donc je suis pas du tout stressé, pour bien au contraire, je suis vraiment assez content d'en faire un nouveau parce que ça fait un petit bout de quoi, peut-être je dois être rendu à 2 semaines là, de pas de vidéo sur ma chaîne pis tout, pour des raisons personnelles. Puis présentement je suis pas chez moi, donc comme vous pouvez le constater ici, on n'est pas à Montréal, donc on est plus dans le coin de Sherbrooke et on est. Deuxièmement, je suis en compagnie de Dossier. Yes, salut guys! Donc on est en route vers Rimouski pour aller voir un show de rock metal. Donc je dis show rock metal parce que il y a 4 groupes en particulier qui vont être là. Donc c'est tous des genres de musicales différents. Donc il y en a, ça peut être rock puis. Ben, je vais vous dire c'est quoi les groupes. Dans le fond, le premier groupe, je vais vous mettre un extrait pour chaque. Là. Premier groupe, c'est Feels Like Home, un petit groupe pas connu, il y a à peu près de 5 à 6 000 vues par vidéo, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est un groupe heavy metal, donc c'est du heavy. Deuxième groupe, c'est The Agonis, un groupe de Montréal. C'est une fille qui chante, c'est ça sa particularité, puis c'est du gros hard rock, heavy metal, vraiment intense, donc du death metal pas mal. Puis la fille, elle a une voix vraiment extraordinaire pour vrai. Après ça, les deux groupes qu'on attend le plus, il y a 3 Days Grace qui va passer en 3e. Puis enfin, il y a Rise Against. Donc Rise Against, moi c'est vraiment le groupe pourquoi j'y vais. Fait qu'on a un 5 heures de route à faire, mais pour vrai, pour voir Rise Against puis 3 Days Grace, je pense que ça en vaut la peine. Puis connaître d'autres groupes qu'on connaissait pas avant aussi. Fait que vraiment, ça va être un show extraordinaire d'après moi. Là, on fait un petit 5 heures de route, on va faire les petits arrêts puis tout. Fait qu'il est présentement midi. Puis ça commence à 6h, donc on a encore 4 heures de route à faire au moins, puis après ça, ben ça va commencer. Donc c'est ça, pour ceux qui regardent cette vidéo-ci, puis ceux qui sont sur ma chaîne depuis un certain temps, je sais pas si vous êtes des amateurs de ce genre musical-là, mais moi en tout cas, c'est vraiment le style de rock dans lequel je suis né. Je suis né avec ça dans les oreilles, puis je peux vous dire que c'est vraiment, pour moi, c'est plus que de la musique, c'est... disons quelque chose, il existe aucun mot pour décrire ce que c'est pour moi, mais en tout cas. Donc sur ça, on a un bon 5 heures de route à faire, puis c'est ça, Dusty m'a demandé pourquoi pas faire un vlog, donc c'est ça, j'ai pensé, donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça vaut légèrement la peine. Donc ça fait quoi, on doit être proche de 40 minutes qu'on a décollé de chez lui. Je vous disais, chez lui, c'est un vrai palace. Il y a encore, Dusty, de son côté, il a encore jamais fait de vlog, il a jamais présenté sa maison et tout, mais c'est un vrai palace, je peux vous dire comme ça, il y a un étang tout, une belle forêt, une piscine, ouais, j'ai fait une petite saucade un matin, puis pour vrai, c'était vraiment agréable, puis je pense que le chien de Dusty en a mangé toute une hier, ouais, une petite bête puante qui l'a arrosée, mettons, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça sentait pas trop bon en soirée, puis ça a pas fait très bien le bonheur pour la fin de la soirée. It's a flag that I love, and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag of... Eh oui, ça fait presque 200 km qu'on fait, on est toujours pas arrivé. Bon, on arrive, on est bientôt arrivé. En tout cas, je vous redonne des nouvelles dès qu'on est plus proche. Bon, donc on vient d'arriver au petit camping. On a un beau petit terrain juste en arrière ici. Fait qu'on a un petit feu, puis sinon on a un petit endroit juste là pour mettre la tente. Fait qu'un petit parking privé en plus pour la petite auto. En ce moment, on va mettre la tente. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que ce soir, si on revient à 1h du matin, on n'aura pas vraiment le temps de mettre la tente. Fait que, on fait ça tout de suite. On gonfle les matelas. On fait tout pour être prêt à soir, à dormir direct. Puis repartir demain matin. On va avoir un petit 6 heures de sommeil environ. C'est pas énorme, mais ça va faire la job pareil. Ouais. Fait que, il va falloir reprendre la route demain matin. Mais là, on va monter ça en vitesse pour arriver le plus vite au show. Parce qu'on va déjà manquer une partie du premier groupe. Donc, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est pas bien grave. Fait que, guys, on se retrouve au show. Let's go! Les prochains font la musique ensemble depuis 2004.
Filme-moi donc. Donc on est revenu du show, on est présentement à 10 km de chez Dossier, donc on arrive bientôt. On s'est vraiment bien amusé de Rimouski jusqu'à, la résidence de Dossier. C'était quand même un assez gros défi, là. Je pense que Dossier est assez étonné. On est parti à 6h30 ce matin, puis là il est midi et 5. Donc ça a quand même pris un bon petit 5h30. On a, ouais, c'est ça. Ben, on a quand même eu un petit court moment de sommeil, mais en tout cas... Là, on est bientôt arrivé, puis j'espère que les images du show, puis les moments vous aurez apprécié tout simplement, parce que nous, en tout cas, on a eu bien du fun. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu plus de... Il y a eu plus de chansons qui ont été jouées que les extraits qu'on a mis dans la vidéo. Donc, en tout cas, j'espère grandement que ça vous aura plu. Donc, je pense que là... Moi, je retourne en ville très bientôt, ben, je veux dire à chez moi. Donc, je pars à 2h. Là, il est présentement midi. Non, pas midi 10, c'est midi 3. Donc, excusez. Donc, c'est ça, je devrais bientôt être revenu chez moi. Donc, je sais pas c'est quand que je vais faire une nouvelle vidéo sur Fortnite, whatever. Mais en tout cas, je pense que c'est pour très bientôt. Donc, je pense que. Ouais, le show il a terminé hier soir à quasiment minuit. Fait qu'il a fallu retourner au camping, essayer de dormir. Sauf qu'essayer de dormir après un show de rock, c'est pas évident à cause de toute l'adrénaline pis tout. Fait que finalement, ça a fini qu'on a dormi à peu près 4 heures. Donc on n'a pas eu beaucoup de sommeil, on a fait beaucoup de routes, c'était difficile. Mais on y est parvenu. Ouais. On a même passé devant un team ce matin, puis on a encore passé sur un team hier soir. Je pense qu'on a fait 3 arrêts au team en tout, disons. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, je sais pas si vous savez c'est quoi Tim Hortons, mais c'est un restaurant assez excellent, je peux vous dire. Les repas qu'ils offrent sont excellents. On a aussi arrêté devant un restaurant manger une poutine. Poutine, ça, c'est 100% québécois. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez jamais goûté à de la piscine, ben, sachez que c'est un des meilleurs repas au Québec. Puis je peux vous dire, si vous venez à si comptez venir un jour au Québec, au Rimouski ou quelque chose du genre, je peux vous dire que vous allez avoir toute une surprise avec le goût de la poutine, parce que c'est vraiment quelque chose de délicieux et excellent à savourer. Donc je pense que la meilleure poutine au monde, elle est à 3 pistoles proche de Rimouski. Fait que vous devez aller à 3 pistoles. Puis c'est justement là qu'on a été, donc je pense que... Ouais. Donc sur ça, gars, je pense que le tout a été dit, donc sur ça, j'espère que vous aurez encore apprécié ce vlog. C'était mon deuxième vlog à date, puis je peux dire que ça me stresse pas trop. Mais en tout cas, j'espère que je m'ai bien exprimé, puis avoir été clair dans mes mots encore une fois, puis j'espère que vous aurez apprécié tous les moments durant cette vidéo. Donc sur ça, guys, excusez, je suis souvent sur ça, donc je pense qu'on va conclure la vidéo. Je pense que vous connaissez tous très bien le rituel de la fin. N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous aura plu, ou encore à vous abonner, ça vous
fait encore plus plaisir. Ou encore laissez votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la vidéo, si le vlog vous aura plu, si vous avez des avis quelconques. Droppez-moi ça, tout ça dans l'espace des commentaires, c'est sûr que je vais le voir. Donc sur ça, guys, je vous dis à très bon à la prochaine, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dossi aussi vous a salué. Yes, ciao tout le monde, bye. Donc c'était Devrix. Ciao tout le monde. Peace out. But it's a flag. Son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you